Salut les noobs, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une usine semi-automatique de récolte de canne à sucre. La petite usine est combinée avec des pistons, ce qui permet la récolte automatique des cannes à sucre et ça évite de replanter les souches. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà le système complètement fini. Voilà, c'est un système qui est assez simple et qu'on peut dupliquer sur plusieurs rangées ou sur des rangées beaucoup plus longues. Alors pour faire notre usine semi-automatique de récolte de canne à sucre, on aura besoin bien sûr de pistons, de cobblestone, de vitres éventuellement, de redstone, ça c'est indispensable. Nous aurons aussi besoin de repeater, un seau d'eau, bien sûr des sources de canne à sucre, de la dirt, des torches parce que des fois il fait nuit, une soupe, ça c'est pour les autistes, on sait jamais, un bouton pour lancer le signal redstone, une pomme d'or, bon ça c'est un peu pour me la péter, des boules de neige si vous êtes sur un serveur multijoueur pour virer les cafards, et bien sûr la notice d'utilisation du tuto. Voilà, alors pour commencer, on va creuser une rigole qui va permettre d'accueillir l'eau. Ça, c'est simplement et bêtement parce que la canne à sucre ne pousse pas sans eau. Ensuite, on va planter les sources de canne à sucre. Donc une fois plantées, ben, on ne les touchera plus puisque ça va repousser tout seul. Et après on va placer des blocs de cobble qui vont accueillir les pistons, les repeaters et la redstone. Donc voilà qui est fait. Ensuite je vais placer les pistons, donc bien sur les rebords. De chaque côté. Et puis ensuite, on va placer les repeaters. Donc les repeaters, on va en mettre un derrière chaque piston. Ça va faciliter la connectique. Voilà. Et puis le signal redstone qui va alimenter tous les pistons. Voilà, donc évidemment la même chose de l'autre côté. Et puis on va donc relier les deux signaux. Donc simplement avec un bouton poussoir. Ici j'ai rajouté un repeater, c'est pour être sûr que les signaux vont bien jusqu'au bout et vont bien alimenter les derniers blocs pistons. Voilà. Et voilà, donc il ne vous reste plus qu'à passer de temps en temps, une fois que la canne à sucre aura poussé, à activer le bouton et à venir récupérer la canne à sucre. Donc vous pouvez aussi venir placer de la vitre pour pouvoir vous déplacer plus facilement si vous avez des rangées qui sont très très longues. Parce que vous verrez qu'une fois que la canne à sucre fait 3 étages de haut, elle tombe pas tout le temps dans l'eau. Donc c'est pas évident d'aller la récupérer. Et quoi qu'il arrive, il faudra que vous déplaciez le long des rangées. Allez, c'est à vous de jouer.